circonstantes penchent toutes dans le même sens. Aucune chance qu'elles s'en sortent ? Malheureusement, non. Aucune. Très bien. Sam ! C'est moi, Deadman. Pardon, c'est l'habitude. Je crains que l'état de santé de la présidente ne soit encore aggravé. Merci. Ça devrait la soulager un peu. Et vous permettre de vous entretenir avec Bridget avant qu'elle ne s'en aille. Bridget ? Bridget Strand, la première et dernière femme à la tête des États-Unis. Vous vous en souvenez forcément ? Elle vous a élevé. C'est pas une tenue idéale pour les retrouvailles. Vous devriez retirer ça avant d'entrer. L'homme qui est là est le bras droit de la présidente et le directeur de Bridges. C'est Diamond. Oh, vous avez connu Bridges 1. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire les présentations. Ça faisait longtemps, Sam. À peu près 10 ans. Regardez-nous. Des erreurs de la nature qui se retrouvent comme ça. Enfin, passons. Le plaisir est partagé. Elle vous attend. C'est votre mère. Bridget. Elle n'est plus tout à fait elle-même. Mais je suis sûr qu'elle vous reconnaîtra. Nous avons fait venir Sam. On va vous laisser vous retrouver. Sam, je savais que tu reviendrais. Dis-moi comment tu vas. Je sais à quel point tu me détestes. Amélie. Quoi, Amélie ? Tu te souviens qu'elle est partie pour l'Ouest ? La traversée lui a pris 3 ans. Elle s'efforce de reconstruire le pays. On en est donc toujours au même point. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Il faut que tu aides Amélie, elle a besoin de toi. Vous devez nous reconnecter les uns aux autres. Vous pouvez rassembler tout le monde. Sam, si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne pourra jamais s'en relever. On n'a pas besoin d'un pays. C'est plus la peine. Bien sûr que si. Tout seul, nous n'avons aucun avenir. Moi, je crois que l'Amérique est foutue. Ouvre un peu les yeux. T'es la présidente d'un souvenir. Je t'en prie, Sam, écoute. Non. Je t'en supplie.
Mais alors, tu es prêt à m'aider? C'est pas parce que je... Je t'attendrai sur la grève. Madame la Présidente. Oh, non. Je suis là. Allez. Docteur, on a besoin d'aide. Il me faut tout le monde. Elle fibrille. Donnez-moi 150 millilitres. Elle ne réagit pas. Restez avec moi. Madame la Présidente. Son cours ralenti. Accrochez-vous. On la perd. Écoutez, personne ne doit savoir que la présidente est morte. Si quelqu'un l'apprend, c'est la fin de Bridges. Alors ce qui s'est passé dans cette pièce ne doit pas en sortir, c'est clair? C'est très clair, monsieur. Mais il reste le problème du cadavre. Sans incinérateur mortuaire, on a une autre solution. Sam, la présidente a conclu un contrat avec vous avant de mourir. Qu'est-ce que vous racontez, là? Vous êtes membre de Bridges. Vous allez participer à la reconstruction de l'Amérique. Vous croyez pouvoir me recruter, comme elle a essayé de le faire? Elle y est parvenue. Votre poignet. Si ça, ce n'est pas symbolique, alors qu'est-ce qu'il l'est? Pardon, monsieur. Je vous rappelle que le cancer s'était répandu dans tout son corps. Le don d'organes est parfaitement inenvisageable. Quant à l'autopsie, elle serait inutile. Il va falloir incinérer sa dépouille avant qu'elle ne se nécrose. Autrement, cet endroit laissera place à un nouveau cratère. Qu'est-ce que vous attendez de moi? On n'a malheureusement aucun porteur sous la main. Quant aux IM de la dernière fois, vous ne l'avez pas oublié. Ils sont morts. Mais le corps de la présidente doit être incinéré. La route entre la capitale relais et l'incinérateur a été engloutie dans l'anéantisation. La seule façon d'y aller, c'est à pied, par la montagne. Mais la densité chirale est hors norme dans la région. Donc il y aura des échoués. Cette mission peut seulement être confiée à un rapatrié, porteur du Dooms. Ouais, moi quoi? Mais pourquoi? Sam, vous êtes déjà en mission. Cette mission est pour vous. Samuel Porter Bridges. J'aimerais dire quelques mots. La présidente Strand avait foi en la reconstruction de l'Amérique. Elle a travaillé d'arrache-pied pour...
pour réunifier cette nation. Et sans elle, Bridges n'existerait pas. Pour ses obsèques, elle mérite qu'on lui rende honneur. Mais on ne peut pas se le permettre. Si elle meurt, l'Amérique meurt avec elle. Si elle disparaît, alors Bridges ne s'en relèvera pas. Écoutez. Nous devons impérativement faire en sorte que sa crémation ait lieu dans le plus grand secret. Et si on y arrive, qu'est-ce qui se passe après? Qui va la remplacer? C'est foutu. L'Amérique est foutue. Non, Sam. L'Amérique n'a pas encore disparu. Il vient juste de dire le contraire. Faudrait savoir. C'est un fait. Elle nous a quittés. Mais il nous reste quand même encore une Amérique digne d'être présidée. Vous êtes sérieux? Vous reparlerez de ça plus tard. Ce qui importe, c'est de terminer le travail que votre mère a commencé et de tout faire pour reconstruire l'Amérique comme elle le voulait. C'est pour cette raison que Bridges a vu le jour. Alors je vous demande de faire le premier pas, Sam, et d'aller déposer le corps de la présidente à l'incinérateur. Si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne survivra pas. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. L'incinérateur se trouve au sud-ouest. Surtout, n'oubliez pas que vous devrez traverser le territoire échoué. Le bâtiment a été construit le plus loin possible dans les montagnes pour pas que la matière chirale contenue dans la fumée n'atteigne la ville. Ce sera pas du gâteau de transporter un corps jusque-là. Nous garderons un œil sur vous en permanence. S'il vous arrive quoi que ce soit, nous vous aiderons par l'intermédiaire des menottes. Échoués, voués à nous gâcher la vie. Salut, c'est Metal & Dream. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Death Stranding, la Director's Cut. Donc là, je vous ai laissé une grande scène d'introduction pour que vous vous rendiez bien compte de l'histoire, en fait. Et comme ça, ça m'évite d'avoir à dire exactement de quoi le jeu parle. Donc là, c'est bien, comme j'ai dit, la Director's Cut. Donc, il y a des améliorations spécifiques pour la PS5. Comme par exemple la qualité graphique qui a été largement améliorée. Ça saute aux yeux, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi du 60 FPS. Il y a des missions en plus. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Après, c'est un jeu vraiment, je pense que c'est pour ceux qui ne l'ont pas découvert ou alors ceux qui ont été fans du premier. Voilà, je suis en train de parler pendant qu'ils sont en train de me parler, mais il y a beaucoup de blabla au début. Donc là, comme vous avez vu, en fait, je dois transporter le corps de la présidente à l'incinérateur. Sinon, le corps va se nécroser. Et si le corps ne se nécrose, et ben en fait, il va y avoir une explosion et ça va être l'extinction. Jusqu'à l'incinérateur. Déplacez-vous et tournez votre carte pour mieux appréhender le terrain qui vous entoure. Regardez par où vous pourriez passer pour y arriver. Pour cette commande, nous vous fournissons également quelques suggestions d'itinéraire. Mais en fin de compte, c'est vous qui devrez décider comment procéder.
Donc là, vous voyez, ah, ça j'avais même pas vu. La première fois que j'avais fait le jeu, en fait, j'avais foncé sans regarder. En fait, il y a deux types de chemins. Là, visiblement, c'est l'itinéraire de la rivière qui est plus compliqué. Et sinon, il y a le chemin. Ouais, là, c'est très compliqué même. Celui-là, ouais, non. Moi, je vais plutôt prendre ce chemin-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir de là, comme la première vidéo que j'avais fait sur Death Stranding. On va placer les repères pour que on puisse bien suivre l'itinéraire, parce que sinon on risque de se perdre et monter sur des falaises et puis on va rester bloqué en fait. Voilà, ça c'est bon. Donc là normalement, voilà, comme ça. Donc oui, donc elle prend également en compte la manette DualSense avec donc des vibrations en plus, les fameux retours haptiques sans être transcendant, c'est bon, c'est vraiment bien. Je trouve que ça apporte pas mal de choses. Bon, je suis au début du jeu, hein, je viens de le lancer, mais les quelques vibrations que j'ai eues avant, parce qu'en fait c'est pas réellement le début du jeu, il s'est passé quelque chose juste avant que je vous ai pas montré. Là, c'est en fait c'est là où l'histoire commence réellement. Voilà. Donc là, c'est un jeu, hein, je vous le rappelle, qui est fait par Hideo Kojima. Et ça se ressent tout de suite. Là, par exemple, il y a une petite musique. Au pire, je vais vous laisser un petit peu de la musique pour que vous puissiez écouter. De toute façon, mes vidéos ne sont pas monétisées, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, donc une musique douce. Plutôt apaisante et qui colle bien à l'univers. Donc après au niveau des gâchettes adaptatives, pour l'instant là on sent que il y a une petite résistance. Je pense qu'il faudra quand on est en déséquilibre, il y aura certainement peut-être une plus grosse résistance. Et moi, ce qui saute surtout aux yeux, c'est la qualité graphique, quoi. Donc là, c'est du 4K native. Et je suis en mode qualité. Alors, c'est du 60 images secondes, contrairement à ce que j'ai pu voir sur certains sites. C'est du 60 images secondes, sauf que, en fait, le nombre d'FPS peut varier. Voilà, c'est variable. Il y a un mode qui performance, on va dire, qui lui fait en sorte de garder un 60 FPS constant. Là pour l'instant j'ai eu aucune baisse de framerate, j'ai rien eu. Et par contre, vous voyez la distance d'affichage est juste hallucinante. Sachant que ce qu'on voit tout au bout là-bas, on peut y aller, c'est hallucinant. Donc là réellement vous voyez ce que c'est le jeu en fait. À la base le jeu, c'est ça, c'est de la livraison. Donc faire des livraisons, mais en fait, il y a un côté de satisfaction en fait dans les livraisons car elles sont compliquées à faire. Celle-là, normalement, je devrais pas avoir trop de mal à la faire. Mais après, il y a des livraisons qui seront beaucoup plus, comment dire, vous voyez là, le corps, il avait du, ouais, la marchandise a basculé. Du coup, j'ai dû appuyer sur les gâchettes pour le redresser. Effectivement, il y a une légère résistance, mais c'est pas dingue. On verra avec les armes et tout ça. Enfin, je verrai avec les armes parce que je pense pas que là on aura des armes. Donc là, on va arriver déjà sur une petite pente. Donc les traits, vous voyez, bon, ils varient d'une couleur. Les bleus, c'est-à-dire que ça veut dire que
c'est facile en fait, qu'il n'y a pas de problème au niveau du dénivelé. Et par contre, orange, ça commence à être un peu juste, donc il va falloir faire un effort. Et rouge, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il va falloir escalader, ça va vous prendre de l'énergie, une énergie folle et tout ça, quoi. Mais le jeu, voilà, donc c'est basé sur de la livraison. Alors, je sais que beaucoup disent que c'est un jeu FedEx, Chronopost, peu importe. Oui, donc en appuyant sur R1, voilà, on a, vous voyez, les petits points bleus, c'est un chemin sûr, en fait. Le jaune, c'est là où il va avoir un peu plus de mal, il risque de glisser, et le rouge, il y a de fortes chances pour qu'il glisse. Donc, le mieux, c'est vraiment de rester sur des chemins bien prédéfinis. Mais bon. Donc là, je prends des cryptobiotes. Voilà, c'est ça, les cryptobiotes. Ce qui nous permettra, en les mangeant, de récupérer de l'énergie qui est symbolisée par les poches de sang, en fait. Alors ça, c'est un réseau... Alors ça, c'est du chiral, mais je peux pas le prendre pour l'instant. Alors ça, c'est peut-être normal. Comme j'ai pas encore commencé réellement le jeu, là on n'est pas encore dans l'UCR, on n'a rien connecté, du coup le Kiral nous sert à rien, quoi. Donc je disais oui pour... c'est oui de jeu Chronopost, jeu FedEx, enfin bref, peu importe la région dans laquelle on est. Les noms vont pouvoir varier. Mais en fait, c'est... Oui, c'est vraiment ça en fait, mais il y a la satisfaction de, déjà, de faire les livraisons et de se dire, bah voilà, on a réussi à faire ça, c'était compliqué, on a eu, y a un système de notes, donc qui nous permet aussi de, comme c'est un jeu basé sur le social aussi, ça permet aussi que les autres voient, bah voilà, vous avez fait tant de livraisons avec telle note. Et c'est toujours gratifiant en fait. Ça vous donne un peu plus de... J'ai pas le mot, mais... un peu plus de prestance, enfin un peu plus de... d'honneur, on va dire. Et entre ces livraisons, en fait, vous aurez bien souvent des... ouais, bah, t'as monté un peu n'importe comment. Vous aurez un petit peu des... comment dire... des scènes de dialogue. Qui vous racontera, qui continuera de vous raconter l'histoire malgré tout. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a toujours à un moment donné quelque chose pour vous rappeler l'histoire. C'est pas de bêtes quêtes annexes en fait, où après on oublie carrément l'histoire. Non, là c'est vraiment. Comment dire. On est toujours dans l'histoire, il y a toujours un lien dans tout ce qu'on fait. Et puis bah voilà. Donc là on arrive à l'incinérateur. Comme vous voyez c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc il y a un mode photo, il y a tout ça. Hein. Et en fait l'incinérateur on va faire brûler le corps de la présidente et on va devoir donc retrouver la fameuse Amélie qui est partie vers l'ouest pour réunifier en fait les UCA, donc les United Cities of America, je crois que c'est ça le... Donc les villes unies d'Amérique. United Cities of America, c'est marqué. Voilà, ça y est, on arrive. Là donc vous voyez, là j'ai rien eu de spécial, mais ça va pas être comme ça en fait jusqu'au bout. Voilà, donc là, on est arrivé à l'incinérateur, sans embûche, on va pouvoir faire la livraison, incinérer, placer le corps, clac.
là l'incinération, et vous voyez les petits points blancs, en fait c'est le chiral, et voilà, donc ça attire, ça va attirer les échoués qui sont donc les... Attendez, je vais peut-être expliquer. Vous devez vous dépêcher de rentrer. Sam, brûlez l'autre marchandise tant que vous êtes sur place. Qu'est-ce que c'est ? BB-28. C'était l'unité attribuée à Igor. Il était relié à vous quand on vous a trouvé dans le cratère. Mais pourquoi il est là ? Parce qu'il doit être incinéré. La ville relais centrale a disparu et notre siège avec elle. Tout ça parce que ce truc n'a pas fait son boulot. Tout est consigné dans les rapports d'Igor. Je vous signale qu'il est encore en vie. On ne peut pas le réparer. Et il ne survivra pas en dehors de la capsule. Inutile de s'apitoyer sur son sort. La décision a été prise. Il doit disparaître. Le directeur a approuvé l'ordre. Marcher en fait. Voilà. Qu'est-ce que t'as à faire ? C'est les échoués, donc c'est des, en fait c'est les morts qui sont entre le monde des qui ont lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc là il va falloir que je rentre et je pense qu'on va partir par la même, oh là non, difficulté en fin de compte, le chemin qui était plus simple, oh la vache. Le chemin qui était plus simple, en fin de compte, il est devenu plus dur. Bon alors, déjà on va retirer tous les repères pour éviter. Donc là, en fait, on va peut-être aller de ce côté-là. Pour après...
par là. Hop, on va y aller donc de ce côté-là. Donc ça c'est quand même... Voilà. Et enfin, on va arriver jusqu'ici. Et normalement, après, c'est bon. Une fois qu'on aura... Bon, je vais faire jusqu'à la tour de guet, on s'en fout. Voilà, normalement, là, c'est bon. Donc là, le chemin va être tracé. Et alors, le but, c'est réellement... Bah, alors, réellement, de pas faire de bruit. Se les échouer, sinon, vont nous attraper. Et alors là, autant vous dire que... Ça va être la catastrophe. Donc retenir sa respiration, ça permet en fait de pouvoir éviter de faire encore moins de bruit. Par contre, faut pas relâcher la respiration trop. Voilà, là je vais pouvoir la relâcher. Ouais, je vois pas où le chemin il est un peu plus facile là quand même là, les gars. Donc on va essayer d'avancer encore un peu. Le but c'est réellement de les contourner. Parce que pour l'instant j'ai rien pour essayer de les... Pour l'instant j'ai rien. Là vous voyez il y en a un balèze. D'ailleurs ils sont mieux faits que dans la version de base. Donc la version PS4. Voilà, là ça se calme, vous voyez en fait dès que le... Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en fait c'est le détecteur, une fois qu'il se calme, bah en fait vous pouvez relâcher la respiration et ça aide à justement... ça aide à mieux... Je sais pas pourquoi ça... j'ai fait un truc comme ça, peut-être que là en fait il y a peut-être une... Oui donc vous pouvez relâcher la respiration, faut que je finisse mes phrases quand même. Donc oui, ça, en fait, quand le détecteur se calme, en fait, vous pouvez relâcher la respiration. Ça veut dire qu'ils sont un peu plus loin et que donc il ne vous entendra pas. Parce que si vous relâchez la respiration, il risque de vous entendre, en fait. Donc là, vous voyez, on est en train de... Donc là, on va suivre la rivière. J'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Hein. On ne va pas rester par là. Je m'en rappelle plus exactement. Ça fait un petit moment que je l'ai fait, le début du jeu. Je vous rappelle, j'ai passé en tout, je crois, 155 heures en tout sur le jeu de la PS4. Et là, bah, je vais certainement repasser autant de temps. Hein. Ouais, bah alors là, oula, c'est abrupt. On va essayer de passer par là. Qu'est-ce que ça dit au niveau des trucs? Donc là... En appuyant sur les gâchettes, ça nous permet de rester un peu plus stable et donc de pouvoir descendre tranquillement. Là, voilà, on arrive. Donc là, là vous voyez, donc là, ça fait au revoir avec la main. C'est comme si c'est une extension du bébé, en fait, ce truc-là, le bras. Donc là, vous voyez, il y a l'échelle. Donc ça, c'est une échelle d'un joueur qui a... Ça, c'est à toi. Qui a donc... mis une échelle ici, voilà, donc bah, je vais l'utiliser, hein. Donc là j'ai donné des likes, il y en avait 0, ça y fait 18, mais bon, je suis même pas sûr en fait, là Igor, ça me paraît être un nom générique, ça doit être justement pour nous aider, mais en fait après ça sera de l'équipement fait par les joueurs, oui, Igor. Donc ça c'est en fait non, c'est pas. Hop. Parce que normalement je suis connecté. Sachant que je suis connecté, ça devrait être bon. Vous voyez là déjà il commence à y avoir plus de soleil. Donc ça c'est une corde. Ça, je ne vous avais pas montré la première fois, donc il y a des échelles, il y a des cordes qui nous permettent de nous aider à franchir les différentes
les différents dénivelés un peu plus compliqués. Donc là, vous voyez, là, la rivière, bon, bah, je ne vais pas m'embêter à essayer de la traverser. Je vois qu'il y a une échelle ici. Bah, on va y aller. Tout simplement. On va aller, hop. On va y laisser quelques likes. Même si c'est pas en vrai dire, hein, ben, si c'est pas un vrai joueur, tant pis, c'est pas grave. Et voilà, donc une petite musique d'ambiance qui nous permet de pouvoir justement passer le chemin tout en ayant un côté un peu cinématographique. Et franchement, le jeu est très cinématographique. Vous avez pu le voir dans les différentes scènes. Alors le casting est juste fou en fait, parce que donc il y a Norman Reedus, mais vous avez aussi aperçu Mads Mikkelsen. Il y a Léa Seydoux, puis il y en a encore d'autres. Il y a Guillermo del Toro, que vous avez pu voir. Enfin bref, il y a tout un tas de noms très connus qui ont prêté leur visage au jeu. Les musiques sont plutôt sympas dans l'ensemble. Tout du moins, moi, ça me plaît bien. Puis ça donne un côté très dramatique. Donc comme je disais dans la première vidéo que j'avais fait, donc de la version PS4, bah, c'est un jeu qu'il faut accrocher, hein, si vous accrochez pas forcément. Faut passer, on va dire, si vous accrochez pas dans les 10-15 premières heures de jeu, vous n'accrocherez pas, sincèrement. Je pense pas que vous accrocherez. Moi j'ai accroché parce que j'ai trouvé déjà le système sympa et puis ça sort un peu des jeux habituels. Et oui, ça peut dérouter des gens, les gens peuvent se dire c'est long, il se passe à rien, et en fait bon. Moi j'aime justement le fait de pouvoir faire des livraisons, essayer de faire le mieux possible. Travailler ses itinéraires, prendre des choses. Est-ce que je peux le prendre du coup, le Kiral peut-être? Non, il veut pas, hein. Pas tout de suite. Donc voilà, là on arrive au point de destination. On est revenu donc au point de départ. Donc vous voyez là, c'est les débris de l'ancienne vie en fait. De l'ancienne civilisation. Maintenant, tout le monde vit sous terre et il n'y a que les porteurs et les mules. Les mules, je vous rappelle, c'est des sortes de bandits, c'est des voleurs en fait. Mais en fait, c'est les porteurs qui vivent en dehors et ils apportent la nourriture et ce genre de choses. Revenez au centre de distribution. Vous le trouverez grâce à votre boussole. La boussole, oui. Alors la boussole, c'est ça, quand on appuie sur L1, en fait, on a la boussole qui nous indique les différents trucs, différentes informations. Et là, l'information, bah, c'est là, en fait. C'est pour dire là où on doit aller. En appuyant sur carré, ça va nous mettre donc une ligne de repère qu'on pourra suivre. Mais sincèrement, je vous déconseille. Parce que c'est pas ce qui est c'est peut-être, c'est en fait, c'est un vol d'oiseau, c'est plus rapide, mais malheureusement, ça va être des fois, à mon avis, très 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 compliqué. Donc là, je vous laisse de nouveau avec une cinématique, car il va se passer des choses, si je m'en rappelle bien. Miracle que vous ayez survécu tous les deux. Quand une personne atteinte du Doom se branche à un bébé, ses émotions et ses souvenirs créent un retour, comme une enceinte en fait. Il amplifie vos peurs et vos angoisses, et risque de vous plonger dans un état dont vous ne pourrez jamais vous sortir. Je suis désolé, Sam, mais ce bébé a atteint ses limites. Il n'y a plus qu'une seule option pour lui, l'incinération. Sam, allez faire un brin de toilette, et rejoignez-moi dans le bureau de la présidente. Il faut qu'on parle. Thank you.
se couche, la journée s'achève, tu bâillons corneille, ne fais pas semblant. Voilà, la mission est donc terminée. Donc, vous savez très bien que le bébé va pas être incinéré, hein, vu qu'on va l'avoir après. Et d'ailleurs, il va être d'une grande aide. Donc là, vous voyez l'itinéraire. Voilà. Avec un petit trophée à la base. Oui, du coup, je vais pouvoir le platiner à nouveau. Super. Donc le S Awesome. À vrai dire, je pense que je vais passer le jeu en difficile. Je sais pas pourquoi j'ai mis en normal. Il y a même une nouvelle difficulté, très difficile. Donc, je vais peut-être faire ça, je sais pas. Ouais, bien, on verra. Je pense que je vais voir ça plus tard. Donc là, voilà, ça c'est toujours c'est un arbre de compétences en fait qui augmente suivant ce qu'on fait en fait, les livraisons. Et qui nous permet d'avoir, par exemple, si vous arrivez au niveau 10 dans volume de livraison, vous pourrez transporter des marchandises plus lourdes. Voilà. Sam, je croyais pourtant vous avoir dit qu'associer le Dooms et les bébés était dangereux. Une douche vous ferait sûrement du bien. Vous êtes encore couvert de kéralium. Il faut pas que la présidente vous voie comme ça. Mais de quoi est-ce que vous parlez, là? Elle est morte. Et vous êtes contrarié. C'est à propos du bébé 28. Trouvez-vous un autre larbin, parce que moi, je vous emmerde. En tout cas, quoi que vous décidiez, sachez que vous lui avez sauvé la vie. N'importe quoi. C'est lui qui nous a sauvés, y compris vous. Restons-en là. Je vais m'occuper de lui maintenant. Vous saluerez la présidente pour moi. Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Tiens. C'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Donc voilà, ça c'est la chambre privée, donc c'est un endroit où vous pourrez vous reposer donc retrouver de l'énergie, que ce soit du sang ou alors de l'énergie pour pouvoir faire les efforts, enfin bref. Et donc là sur la table, alors tiens, petit truc intéressant, c'est que c'est plus Monster Energy. Donc le partenariat certainement a été arrêté. Parce qu'avant on buvait de la Monster Energy pour pouvoir justement
pouvoir améliorer son endurance. Et, ou restaurer là, justement l'endurance. Donc tu vois, vous voyez là, c'est vraiment plutôt sympa. Donc ça fait un peu bizarre, j'étais habitué à Monster Energy. Donc voilà, là vous avez, vous pouvez examiner les figurines. Alors quand on l'examine, il y a une petite animation sympathique. Voilà. Donc là, c'est les figurines. Et en fait, les figurines vous montreront exactement en fait les grands moments que vous avez passés en fait que dans l'émission. Donc ça, vous entendez ma chienne. Donc là, le but, on peut prendre une douche pour retirer le chiralium qui est sur nous. C'est la matière chirale en fait qui se dépose. Sam, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est exagéré. Il faut croire que j'ai plus droit à mon intimité. Non. Sauf quand vous prenez une douche ou vous allez aux toilettes. J'en déduis donc que vous étiez sous la douche. Bien. Venez dans le bureau de la présidente dès que vous aurez fini. Elle vous y attend. Vous avez assuré, Sam. Merci. Bridget n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son héritage a une chance de lui survivre. Écoutez-moi, Sam. L'Amérique, la reconstruction, son rêve n'est pas mort. J'en ai rien à battre. Voici l'incarnation de notre espoir, de notre nouvelle Amérique. Amélie ? Ma mère n'est peut-être plus là. Mais je la représente. Quant à toi, Sam, tu es venu jusqu'à nous. Vous ne vous étiez pas revus depuis 10 ans, c'est ça? Et malgré le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Il sait pourquoi. Mon corps est toujours sur la grève. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Toi aussi, en revanche, Sam. Tu as belle allure. Alors comme ça, c'est du sérieux. Tu veux vraiment reconnecter tout et tout le monde. Il faut bien que quelqu'un succède à Bridget, Sam. Et plus important, il faut que quelqu'un perpétue l'héritage qu'elle nous a laissé et rebâtisse notre pays. Samantha America Strand, la nouvelle présidente. Un tout nouveau départ pour notre peuple, pour notre nation. Grâce à l'impulsion d'Amélie, nous allons donner naissance aux UCA, c'est-à-dire aux villes unies d'Amérique. Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans votre aide, Sam. C'est non, ça m'intéresse pas. Je vous ai fait mes adieux à tous quand je les ai faits à Bridget. Tu sais bien qu'on ne t'a jamais oublié, Sam. C'est toi qui as fui et qui nous a laissés sans nouvelles. Amélie a mis sur pied une expédition, l'élite de Bridges 1, pour partir vers l'ouest. Je leur ai fait éviter les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à des kilomètres. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider.
Ça nous a pris 3 longues années. Mais on a finalement réussi à atteindre la ville relève frontière. Vous êtes arrivé au Pacifique. Incroyable. Oui. Mais là-bas, tout a dégénéré. L'équipe a été décimée. Et Amélie, capturée. Capturée. Je ne suis pas retenue dans une cellule ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Tout ça parce que ces types veulent que la ville relais frontière reste indépendante. C'est ce que disent ces ravisseurs, en tout cas. Ils exigent que les UCA les laissent tranquilles. Amélie et leur filet de sécurité au cas où on ne serait pas d'accord. C'est qui déjà, ces connards ? Homo Demens. Des militants séparatistes. À la tête du relais frontière. Je vois bien qui c'est. Une bande de terroristes qui tuent des gens dans les villes pour créer des cratères. C'est ça. Ces types bravent tous les interdits, et les néantisations, ça les amuse. Vous croyez que c'était eux derrière l'attentat suicide de la ville relais centrale ? Ça se pourrait. On trouve des extrémistes de ce style un peu partout, en train de comploter dans l'ombre. Ils ne peuvent pas être centralisés. Il n'y a pas une organisation qui les dirige tous. Seulement une idéologie commune. Je sais que tout le monde ne partage pas la vision que nous avons de l'avenir. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. J'ai véhiculé le message de ma mère auprès des habitants du pays tout entier. Tout le monde n'était malheureusement pas prêt à l'accepter. Ils ont été nombreux à choisir de rester déconnectés, isolés du monde, indépendants. Comme vous, Sam. Ils sont convaincus que l'Amérique ne peut être rebâtie que par la force, par des hommes qui leur diront quoi faire, qui les priveront de leur liberté et qui leur mettront des chaînes. Et vous m'avez mis quoi, là ? Hein ? Vous valez pas mieux que les démons, une secte parmi tant d'autres. Sauf que ce ne sont pas des chaînes, Sam. C'est un symbole de nos liens. C'est ce qu'il nous faut dans l'immédiat, non pas rester isolés, mais tous nous rassembler, former des réseaux Kiro et nous reconnecter. Nous voudrions que vous partiez pour l'Ouest, pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Cet objet contient tous les protocoles de sécurité et de fonctionnement nécessaires pour intégrer un terminal au réseau Kiral. Emportez-le vers l'ouest, Sam, et reconnectez les habitants de notre nation. Et quand vous atteindrez le relais frontière, trouvez Amélie et ramenez-la chez nous. Quand je reviendrai, j'assurerai la présidence et je poursuivrai le travail de ma mère pour réhabiliter le pays. C'était la dernière volonté de Bridget. C'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Je t'en prie, Sam. On a besoin de toi. Je m'appelle Sam Porter Bridges. Je suis pas un Strand. Je fais même pas partie de cette équipe. Vous en êtes assuré. Je m'engagerai pas envers vous. Ni personne d'autre. Ça n'arrivera plus. Non, attends. Tu vois ? C'est comme si j'étais pas là. Ça a toujours été comme ça. Sam ! Sam ! Ne partez pas ! Attendez ! Écoutez-moi, l'Amérique dépend de vous. De vous deux. C'est pas en recouvrant le monde de câbles qu'on met fin à la guerre ou à la souffrance. Soyez pas trop surpris quand ça va foirer. Ce sera pas la première fois. Non, franchement, vous tournez en boucle, hein. Connectez, reconnectez, c'est pas aussi simple. Ça va, Sam. J'ai compris. Calmez-vous un peu. C'est très clair. On ne vous demande pas de vous engager aussi vite. Vous avez besoin de repos. Ça ne fait aucun doute. Le sommeil, c'est vital. Si vous ne vous reposez pas, vous risquez surtout de vous reconnecter à l'autre côté. Tout l'entretien nécessaire a été effectué. Et on a fait quelques ajustements et réglages rien que pour vous. Le revoilà comme neuf.
On peut dire que c'est rare de voir le Dooms et les bébés faire bon ménage comme ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine affinité entre vous deux. Je me trompe ? Sam. Écoute, ton nom est Sam Strand. Non, c'est faux. Plus maintenant. Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Mais stranding signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué, on ne peut pas rentrer chez soi. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. À des milliers de kilomètres de toi. Mais notre lien est toujours aussi fort. Tu es libre, mais nous sommes liés l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire le contraire. Bonjour, Sam. Sam, ici Dyerdman. Vous avez dormi comme une souche. Vous deviez être épuisé. Les chambres privées sont dotées des commodités de base. Douche, toilette, etc. Utilisez-les pour vous reposer, inspecter votre matériel, consulter des informations ou ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au personnel. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même? Allez donc voir comment Bridges fonctionne. Et voilà, donc l'aventure va commencer ici. Et c'est parti pour des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Les animations sont sympas. Donc voilà, donc j'ai laissé vraiment, ça va être la vidéo la plus longue que j'aurais fait.
J'ai voulu vous laisser vraiment les cinématiques pour que vous puissiez comprendre réellement l'histoire du jeu. Et puis, que vous donner peut-être l'envie d'y jouer. Enfin, moi, c'est le but, c'est que vous ayez envie de jouer à ce jeu, que vous, au moins que vous tentiez l'expérience, car ça, si vous aimez, vous allez être pris dedans et ça vous tiendra en haleine pendant des heures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas eu beaucoup de gameplay. Le principal, c'était surtout de vous montrer un petit peu la différence graphique qu'il y a pu y avoir avec donc la version PS4. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, essayer de justement vous donner envie de jouer au jeu, voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. J'espère que je vous reverrai bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de jouer. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, ciao !